tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode de Call of Cthulhu. Cthulhu, ils disent. J'ai du mal, d'habitude. Et je savais pas ce qu'il fallait faire pour réparer le navire, étant donné qu'on a coupé toutes les vannes, qu'on a tout enlevé, voilà. Enfin, c'est un peu le bordel, du coup. Enfin, je sais pas trop. On avait soudé ça là. Après, j'avais coupé les valves partout. J'avais coupé celle-là, j'avais coupé l'autre. J'avais coupé celle-ci aussi. Pourquoi ça tremble? Ça tremblait plus tout à l'heure. Je peux rien faire là. Je peux toucher à rien. Je peux plus toucher à rien. C'est super, c'est cool. Donc voilà, donc on était bloqués complètement. Donc c'est trop bien. Voilà. Donc j'en étais à aller. Thank goodness you're back. Ah, fallait que j'aille dans l'armurerie en fait. Ok. C'est bizarre. Give me that. We've got to seal the doors. Ah, c'est bon, tu l'as pris. The noise is at the other entrance. They're trying to break in. Ah. Damn it, do something. It's locked. Bah, ils sont où? Merde! Ne tue pas! Gros nul! Ok, super, c'est trop bien. D'accord, c'est super, c'est génial. On va aller dans l'armurerie. Puis voilà. Zut. Open the damn door! Not till you get this ship moving again! J'ai fait quoi tout à l'heure? J'ai fait quoi? Je vous ai dit, on avait réparé la soudure. Je suis allée voir la soudure. J'ai cliqué dessus. The crack's been sealed. Je n'avais pas cliqué dessus, d'accord. La fissure est colmatée. Je vous ai dit, on a coupé les gaz. Vous avez tourné le machin. Ah d'accord, c'est ça en fait qui s'est mis à tout faire tourner et qui a bloqué. D'accord, il fallait refaire tourner. I don't think I should use that. Ah oui, d'accord, c'est parce que ça fuit en fait. Ok. Je suis pas mécanicien non plus. Hein. Donc là, c'est bon. D'accord, ok. Give me that. We've got to seal the doors. There've been noises at the other entrance. They're trying to break in. It's locked. Damn it, do something. Est-ce qu'ils viennent de là? D'accord, ils viennent de là. Je vais crever, lamentablement. Ok, viser la tête. J'ai plus de soudure. Me tuez pas, me tuez pas, me tuez pas. Ne me tuez pas, pitié. J'ai plus de points de suture. De soudure, n'importe quoi. Je suis morte. Parce que je n'ai plus de points de suture. Ok. Donc on recommence et cette fois on va directement déclencher le truc. Je crois que c'était celui-là. C'est celui-là, hein. Ouais, je crois que c'était celui-là. Ok, donc le reste... Bah, oui, on va être fixé. Hein. On va essayer celui-là, et soit ça marche, soit ça marche pas. Là, j'ai l'impression que ça a remis en route. Ok. Viser la tête.
Thank goodness you're back. Ok. Visez la tête. Give me that! We've got to seal the doors! Ok. Ah, faut que je lui donne. Vas-y, tiens, prends-le. There've been noises at the other entrance. They're trying to break in. Damn it, do something! J'ai plus de cartouches, ok, d'accord, ok, bon. Je vais essayer avec le petit, il y en a bien un avec lequel je vais réussir à viser la tête. Il en faut un qui se recharge vite en fait, c'est ça qui me perturbe. Je vais essayer avec celui-là. Ok, go. En fait, on va rester bloqué à un endroit à chaque fois. Tiens, vas-y, prends le kit. Prends le kit, allez. Give me that. We've got to seal the doors. There've been noises at the other entrance. They're trying to break in. Damn it, do something. Change d'arme. Change d'arme, la tête. Voilà, OK. Ça c'est fait. J'espère qu'ils sont que deux. We gotta check out the deck. You look outside. I'm staying right here. Je vais le tuer, je vous jure, je vais le tuer. On va aller chercher. It's locked. Ok, on va aller rien chercher du tout. Il y avait encore It's des. Locked. Oh merde. Peut-être j'ai besoin de cartouches. Lui. On va recharger tout ça. On va recharger celui-là. Ok. Ok, je peux comprendre. Recharger celui-là aussi. Okay, je peux pas les prendre non plus. Recharger celui-là. C'est des cartouches de quoi ça? Toutes mes cartouches sont à 100%. Sauf le chargeur de pistolet, d'accord, je sais pas à quoi ça sert. Ok, on sauvegarde. Donc je ne sais pas à quelle arme elles sont associées, sûrement une arme dont je ne me sers pas, du coup. On va inspecter le pont, c'est ça. Est-ce que je devrais prendre la mitraillette ou celui-là? Je sais pas. C'est les deux seules qui me conviennent, visiblement. Ah, des cartouches. Celle-là, j'en avais besoin. Et ça, là. It's locked. Ok, donc, oui, donc je suis obligée d'aller là. Évidemment. Cadavre. Est-ce que je me sens bien? Ça va. Oula, j'ai interrompu une vision. Non. Ça vient de l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un qui surveille derrière la porte. Vous avez vu, c'est le petit là. Il est en train d'essayer de souder, mais il s'enferme avec quelque chose, là. Oh, le con! Oh, le con. Voilà. En fait. It's locked. Je peux pas le sauver. Oh! Oh, putain! Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Détruis pas mon bateau, toi. Bonjour. Bonjour. Tu aimes les canons? Je te propose de l'essayer. Ok. Où qu'il est, beau? Où est-ce qu'il est? Et il est là, ils vont me tuer. Okay. Du même côté, ça, je m'y attendais pas. Okay. Alors. Évidemment, point de suture, on en a pas. Donc, on va crever. Lamentablement. Est-ce qu'il va rester à gauche? Est-ce que je peux soigner toute seule ou pas? J'ai pas l'impression.
Nous en va très bien, je suis blessée. Ah, en plus, ça tangue. Je vous conseille, ne jouez pas à ce jeu si vous avez faim, parce que ça donne sacrément les drones. Ah oui, d'accord, il va partout. Si tu pouvais être devant. Ça me permettrait de te détruire avec le canon. Putain de bordel. Eh bien, c'est bon, il m'a pas touché. J'ai juste eu très peur. Pourquoi est-ce que tu as peur? Ce n'est qu'une créature gigantesque qui veut te tuer. Il m'a bien blessé en plus. Allez, allez, soigne-toi. Ok, ça va. Est-ce que je peux la tirer devant en mettant le dos ? Ça tourne beaucoup. Putain. Ok, touché. Va-t'en, rentre chez toi. Repars d'où tu viens, créature des ténèbres. On va toucher. Ne me touche pas. Blessé là. Ah là je peux me nettoyer en entier. C'est cool. Faut pas qu'il me tue là par contre. Non! Non, non, je suis en train de me soigner, pas touche. Ah c'est bon, ma santé va bien. Ma santé mentale ne va pas bien du tout par contre. Il faut que je me reprenne là parce que ça va pas du tout là. Sûr qu'en ne la regardant pas, elle n'existe plus. Hein. Là, on se cache. Est-ce que je peux la tirer devant, là, encore? Coucou! Viens devant! Coucou! 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 Viens devant! Viens complètement devant, s'il te plaît. Ce serait cool. Je pourrais te tuer. Tu imagines pas comme j'en serais heureuse. Et t'as fini de faire tanguer mon bateau, là, comme ça? Tu vas devant? Allez, va devant. Non, ok, tu vas me tuer. C'est tout de suite plus intéressant. J'ai plus beaucoup de trucs de soins, là, en fait. Il faudrait que tu décides à retourner devant. Allez, 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 on va devant. Allez. Mais là, là, ici, là, ça t'intéresse pas de venir ici? Je vous jure, je vais pas tenir longtemps à faire ça, parce que ça tourne vraiment trop, là. Sur petit écran, ça va, mais sur grand écran... c'est très galère. T'es complètement dingue, toi, mon pauvre bonhomme. Allez, viens devant. Allez, meurs. Allez. Allez, viens devant. Allez, 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 je suis devant. Non, 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 j'étais devant. Ah, ça t'amuse, hein. Ah, c'est rigolo de faire ça. C'est tellement rigolo. On va aller se soigner. On va me laisser à la jambe. Hop.
Alors, il ne reste plus qu'un seul kit de soins. Je crois qu'on va avoir du mal. Dire que ce sont ces créatures-là qui nous idolâtrent. Mon dieu. Ils s'en foutent. Bah, c'est mon dernier kit de soins, donc voilà. Faut qu'il aille devant très vite parce que sinon on est mort. Alors viens devant. C'est amusant devant, non? Devant. Ouh, 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 bestiole, je suis devant. Viens devant. Viens devant. On s'amusera ensemble. Voilà. Encore une fois. Allez, encore. Allez, viens. Oh, pas par là, non, mais tu pars, merde. J'ai plus de... Ah, j'ai pas de point de suture. Ah, je saigne gravement en plus. Essayer de la tirer devant. Merde. Elle m'a retouché. Ah non, c'est bon, ça va. Faut que je regarde le mur le temps que ça aille mieux, parce que sinon, voilà. Faut qu'il se calme. Calme-toi, calme-toi. Ce n'est que ton ami. Allez, devant, viens devant. Voilà, devant, 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 devant. Je suis devant. Ok? Pas d'autres blessures. Devant. Allez, viens devant la bestiole. Viens devant. Allez. Je l'ai pas eu. Je l'ai pas touché. Oh, quelle conne. Oh, quelle conne. Faut que je touche. Faut que je touche. Vite, vite, vite. Laisse-moi tirer. Laisse-moi tirer. Voilà. Encore. Encore. Encore, encore, encore. Tant qu'il est là. Tire, 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 tire. Tire. Oh. Moi qui vais mourir. Non. Merde. Tout est gris, je vais mourir, je vais tellement mourir. Viens devant, putain. Je suis en train de mourir, viens devant là, je suis devant là, qu'est-ce que tu fous? Allez, viens devant, c'est tellement plus amusant. Tiens, je l'ai eu! Je l'ai eu! S'il vous plaît, pas mourir, pitié, ne me faites pas mourir. Ne me faites pas mourir, s'il vous plaît. Je ne suis pas morte. Non, non, mais non, mais qu'est-ce que tu fais? Lâche ce bateau! Lâche! Aïe. Je crois que c'était volontaire de leur part, mais maintenant j'ai peur. L'ombre hors du temps d'eux, c'est alors que l'horreur véritable m'enveloppa. Car si ces choses, je ne sais pas. Ah, je suis encore en train de me noyer. Et bah voilà, on veut toujours que je me noie, moi. Zut. Ça n'empêche qu'il va me faire une sauvegarde. Oula. Foe moved on land, we would track them by the strange footprints they left in their wake, consisting of 5 circular toe marks. They were blind, yet had exceptional sensitivity to both motion and sound. In battle, these creatures could harness the power of the winds with terrifying precision.
It wasn't until the great energy weapon was developed that we had the means to fight their evil. Then we were able to drive them down, deep into the catacombs beneath their basalt towers, sealing all routes with impenetrable trapdoors. Le récif du diable, la terre elle-même paraissait étrange d'une matière indéfinissable. La lumière de la lune l'éclairait sous un angle irréel, projetant les ombres déformées d'arbres aux formes irrégulières. Même les collines paraissaient différentes. Repérez les objets qui vous entourent auxquels vous pourrez vous accrocher. Il arrivera que vous ayez à conserver votre équilibre pour éviter la mort. Encore, d'accord. Sauvegarde en cours. Ah, génial. Une sauvegarde. Pas comment on peut être encore vivant, tant mieux. Oh, nous nous sommes échoués. Le récif de Satan, le 10 février 1922, début de soirée. Ai-je réellement vu ce que je pense avoir vu, ou n'était-ce qu'une autre hallucination? Je ne peux en être sûre. Ces créatures ne peuvent exister dans un univers ordonné autour de la raison et de la logique, mais pourtant, comment une imagination humaine, même celle d'un démon, pourrait-elle inventer de telles horreurs? Et pourquoi certaines de ces choses, leurs silhouettes, les mots qu'elles emploient, me semblent si familières? Cette question me consume. Ont-ils un rapport avec les souvenirs qui me manquent? Et si oui, que m'est-il arrivé pendant les 6 ans dont je ne me souviens pas, par le ciel? Étais-je seulement sous le ciel terrien? Il faut que je me ressaisisse et me mette en quête d'autres survivants du naufrage de l'Uranie. J'espère ne pas être seule sur ce rocher infernal avec ces choses. Mais je dois me montrer prudent. J'ai vu de mes yeux ce qu'ils font endurer aux visiteurs qu'ils n'attendent pas. Bah, j'ai peur qu'ils soient tous morts, en fait. Malheureusement, donc voilà. Est-ce qu'il y aurait autre chose, je sais pas. C'est très très beau, en tout cas. Vraiment, c'est très beau, donc je pense qu'il faut qu'on aille là. J'espère qu'il y a une autre sauvegarde bientôt. Sinon, on s'arrêtera là, mais je sais pas s'il faudra revivre tout le reste ou pas. Oui, il y a un petit trou là. On va aller dans le petit trou, ça m'intrigue. Ah bah, une trousse de soins! Ah bah, c'est cool, j'en avais besoin. Dans quel état je suis d'ailleurs? Ah, je suis en très mauvais état. J'ai quasiment plus de trousse de soins alors qu'il y en avait plein ailleurs et tout, donc. Et toujours aller dans les petits trous. Il y a toujours des trucs cachés qu'on est content de trouver, donc voilà. Oh putain, ça fait trop mal. Je crois qu'on va rester discret, hein. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Ok, ok. Donc on revit ça. On revient en arrière. On refait le même passage, mais on saute. Il y a des trous dans le sol, ok. Je n'avais pas vu qu'il y avait des trous. Zut. Là, on va y aller parce qu'on a quasiment plus de trousse de soins, donc ça nous est indispensable. Et yeah, ils sont doués, hein. Ils ont détourné notre attention avec le cadavre et ensuite, et bah, blanc. Voilà, un trou. Comment faire peur aux gens? Comment on peut sauter?
passer par-dessus ce trou, en fait. Est-ce seulement possible? What the hell? Oh merde, c'est des pièges. Oh putain! Bon bah écoutez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Il y a une seule garde, parce que ça va être trop long sinon. Donc je vous dis à très vite pour la prochaine fois, pour essayer de déjouer ces pièges, je sais pas trop comment. Portez-vous bien d'ici là, à bientôt!